Alors, la sainteté, à proprement parler, il y a juste un petit article dans la Somme sur les 2000, je ne sais combien d'articles qu'il y a dans la Somme, mais quoi, enfin, la sainteté, c'est la même chose que la religion. Alors, déjà, ça amplifie. Et puis c'est. Alors, pour saint Thomas, la définition qu'il donne de la sainteté, c'est, disons, l'union avec Dieu. Hein, c'est pour ça que c'est la religion, hein, c'est ce qui nous relie. C'est l'union avec Dieu. Alors, comment se fait cette union, hein? Alors, cette union se fait, pour l'homme, dans ce qui le qualifie comme homme, hein, donc dans sa spécificité. Sa spécificité, c'est d'avoir, comme je le disais, une intelligence et une volonté. Se fait suivant l'intelligence et la volonté. Suivant l'intelligence qui cherche à connaître Dieu et suivant la volonté qui aime Dieu. Hein, la sainteté consiste dans la connaissance et dans l'amour de Dieu. Alors, plus ou moins. Puis alors, évidemment, se forme une circulatio, hein, des causa in vicem, entre l'une et l'autre. Hein, comme saint Thomas cite parfois saint Augustin qui dit « Nihil amatum nisi precognitum », hein, on n'aime pas ce qu'on ne connaît pas, mais évidemment quand on commence à connaître quelque chose, si c'est digne d'être aimé, ben on l'aime et on va en savoir plus, et donc c'est vrai déjà au niveau de la passion, hein, les fans des chanteurs ou etc., ou les braves dames, alors on lit toutes les anecdotes, toutes les choses, parce que on aime la personne et on veut savoir, alors évidemment c'est pas au niveau intellectuel, mais quoi. Enfin, c'est vrai, et c'est vrai au niveau de la vie intellectuelle, la vie qui devient vie spirituelle quand on cherche à connaître et à aimer Dieu le plus qu'on peut, mais avec son aide, hein, parce que ça ne se fait pas sans son aide à Dieu. Mais quoi, enfin, ça c'est aussi une chose extrêmement importante. Et alors, c'est à proprement parler, c'est ça la sainteté. Ben, évidemment, et donc c'est le fruit de la grâce. Mais la grâce, ça ne se voit pas, la sainteté, ça. Alors donc, on juge de la sainteté par la manière dont quelqu'un se comporte, hein, par les actes qu'on fait, qui doivent être des actes fruits des vertus. Hein, parce que la grâce est la grâce des vertus et des dons. Hein. Et donc, la grâce nous aide à avoir ces principes en nous, ces habitus, qui nous font nous conduire avec prudence, avec justice, avec fermeté, hein, la force, disons, de la fermeté, ou avec courage, avec tempérance, voilà. Bon. Et donc, et toutes les vertus qui en suivent, et qu'Aristote avait déjà examiné, que saint Thomas reprend dans une certaine mesure, mais évidemment dans une autre perspective. Et les vertus elles-mêmes ne se voient pas, mais on voit les actes des vertus. Et donc, c'est à partir, quand on fait un procès de canonisation, alors évidemment, ça c'est les saints nous, on est tous appelés à être saints, et on espère bien, mais quoi, enfin, les saints du degré supérieur, particulièrement exemplaires, on se demande s'ils ont vécu les vertus. Un degré qu'on appelle héroïque, c'est pas très heureux, mais quoi, enfin, voilà, c'est la faute d'Aristote. Pourquoi? Parce que Aristote parle dans les deux éthiques, dans l'éthique à Nicomaque et dans celle à Eudème, de la bestialité. Alors donc il y a le bien, le mal, la vertu, le vice, et puis il y a le degré de la bestialité. Alors là c'est vraiment le vice le plus l'homme devient une bête, un animal. Et puis alors il correspond à ça l'héroïcité.
sur lequel Aristote n'en parle pas, parce que c'est et alors lui il dit c'est vivre, c'est on atteint un niveau divin, hein, en citant un vers d'Homère à propos d'Hector, hein, si je ne me trompe, oui, Théon, il y a Théon dans le vers, et donc on a ça doit être peut-être à cause de ça qu'on a parlé de vertu héroïque, mais ça n'a rien de commun avec les héros, surtout les héros de l'Antiquité, hein, parce que les héros de l'Antiquité, c'est souvent des gens qui allaient contre les dieux, c'est pas du tout ça. C'est on veut indiquer par là un niveau nettement supérieur de vertu par rapport aux bons chrétiens. Hein, donc des gens, et c'est ce que les gens sentent spontanément. Hein. Est-ce que le Padre Pio était héroïque, au sens où l'héroïsme des champs de bataille, je crois pas, mais qui est tout autre chose, mais au sens de l'héroïsme chrétien qui consiste à s'engager totalement dans l'amour de Dieu, dans la connaissance de Dieu, alors sûrement, quoi, enfin. Et puis dans le service des frères, etc., tout ce qui en suit. C'est des choses que... voilà. Et Saint Thomas aussi a pratiqué l'héroïcité en ce sens-là. Et alors, du point de vue de la sainteté, il est intéressant de noter comment ce que je viens très très mal et très brièvement de résumer implique que ce qui fait la valeur d'un acte, ce n'est pas la difficulté de l'acte lui-même, hein, quand on parle d'héroïcité, c'est des choses difficiles, mais c'est la charité avec laquelle, l'amour de Dieu avec lequel on fait cet acte-là. Hein. Le plus bel exemple, c'est évidemment Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui a jamais rien fait d'extraordinaire dans sa vie. Elle avait les mouchoirs des balades, etc. Mais les sœurs qui l'entouraient, les gens ont perçu qu'il y avait une chose extraordinaire, qui était la façon dont elle le faisait, qui dépend de la charité. Et alors, il est intéressant de noter qu'à une époque où dans la géographie il y avait des topoi, des lieux communs, absolument, il fallait qu'un saint ait fait des pénitences extraordinaires, etc. Saint Dominique, hein, se donnait la discipline avec une chaîne de fer, bon, etc. Et donc ça faisait partie, il n'y a pas de vie de saint sans, plus souvent on devait exagérer, mais qu'enfin il n'y a pas. Alors que pour saint Thomas, on ne dit rien de tout ça. Et alors, ça a été noté, hein, c'est pas moi qui l'ai inventé, ça, déjà, parce qu'il est le père, voilà, bon. Et, non m'échappe, saint Thomas, sûrement, pensait que, alors il faisait évidemment les pénitences de l'ordre, qui à l'époque étaient assez importantes, enfin bon, on ne mangeait pas de viande, mais il pensait que sa vocation c'était l'enseignement, c'était la théologie, c'était, et donc c'était à ça qu'il devait faire et pas perdre son temps, se donner à la discipline, en disant comme les moines irlandais, trois psautiers dans une baignoire d'eau froide. Et sûrement ça a frappé les contemporains. Ça a frappé les contemporains parce que quand tous ceux là, Guillaume de Tocqueau, qui pourtant était le postulateur, donc le postulateur aurait un peu tendance à en rajouter, et puis Bernard Guy, quoi, enfin les gens, Ptolémée de Luc, comme les gens écrits sur saint Thomas, on ne dit pas qu'il a fait pénitence. Alors qu'il l'a fait sûrement, mais quoi, enfin pas d'une façon qui a frappé les gens, parce que bon, maintenant lui il travaillait, puis c'était déjà une pénitence. Surtout, faut savoir à l'époque, quand on voit
tout ce qu'il a écrit. Alors évidemment, bon, il y avait des secrétaires, etc., bon, des collaborateurs même. Mais dans les circonstances, dans les conditions auxquelles on se trouvait, hein, surtout l'hiver, hein, une petite bougie ou une petite lampe à huile, évidemment, sans ça, il fallait arrêter de travailler à 4 heures de l'après-midi et puis recommencer le matin à 9h ou 10h. Alors, c'est pas possible. Et puis sans rien, hein. Non seulement il n'y avait pas Internet, mais il n'y avait même pas les machines à écrire, il n'y avait pas, les photocopies, il n'y avait pas... Et puis le papier, ça n'existait presque pas. On écrivait sur des bouts de parchemin, ça coûtait cher, donc il fallait, on pouvait pas se mettre à écrire comme ça. C'était son assaise, disons. Un bel article du père Bataillon sur les maîtres en théologie de l'Université de Paris au XIIIe siècle. Enfin, la manière dont, toutes les choses, disons, un peu matérielles. Combien coûtait le parchemin, comment, etc.